Salut toi, tu vas bien? Bon, je suis désolé, cette semaine j'ai pas le temps de te faire une longue. Voilà, il y a des semaines comme ça, là ça va pas être possible, on a beaucoup trop de choses au travail, à la maison, voilà. Néanmoins, comme j'ai pas envie que tu sois frustré et puis que je me sens investi d'un contrat vis-à-vis de toi, je t'offre un petit aperçu de mon vélotage de ce matin. Bon, le gros point noir c'est que voilà, maintenant je pars de nuit, hein, donc j'ai plus de soleil. Je t'offre ce petit moment de saut de bouchon, hashtag saut de bouchon, comme on dit maintenant. Les abords du pont de Beson, c'est toujours triste à observer pour nos camarades motorisés. Ils sont vraiment beaucoup. Et c'est tous les matins, hein. Sans discontinuer. C'est vraiment... à chaque fois, je me dis, quand j'arrive à la mairie de Beson, le temps qui passe le pont, je serai déjà à la défense, quoi. Et là, ils sont beaucoup à griller le feu rouge, en l'occurrence. Mais... quand je me suis rendu sur le pont, là, c'était le tout début de l'aurore, tu vois, avant l'aube, là. Il n'y a pas de soleil encore, mais il y a la lumière qui apparaît, c'est magique, c'est une belle vision. Sauf que, voilà, on n'est pas tout seul sur la passerelle piétonne cycliste. Ça devient très quotidien, ça, sur le pont de Beson. Ici, je me suis fait une petite frayeur ce matin. J'ai entrepris de doubler ce véhicule. J'ai pas signalé d'ailleurs que j'allais doubler. En plus, il y avait des zébras. J'ai même pas fait gaffe. J'ai cru qu'il allait s'arrêter. Non, en fait, il allait se garer de l'autre côté. Et puis après, j'ai fait joujou dans les bois. Parce que c'était bien fun quand même. Donc j'y suis allé en mode gravel. Parce que bah, j'étais sur mon croix de fer avec mes gros pneus. Donc pourquoi pas, hein. J'ai pris la route des lacs. Et puis je m'en suis mis plein les yeux. Et c'était joyeux. Il faisait 8-9 degrés, pas plus. Monsieur. J'étais en t-shirt parce que j'avais envie d'arsouiller ce matin. J'avais envie d'envoyer un petit peu. Dès que j'ai la veste, ça me freine parce que du coup, si je me mets en condition d'effort... Et puis là, j'avais choisi de me mettre en condition d'effort parce que 8 degrés, tu peux y aller. À ce moment-là, tu transpires pas. Sauf si jamais tu as mis une veste. À ce moment-là, il faut que tu te contiennes. C'est ça qui est magique avec ce climat-là. Vraiment, tu peux y aller, tu peux te faire plaisir. Hein, et t'as même pas besoin de t'éponger la figure en arrivant au travail. Voilà, là c'est l'instant petite pointe à 40 km/h, tranquillement. Ah, c'était chouette aujourd'hui, hein. C'était vraiment bien. On est vernis quand même, hein, de se déplacer en vélo. J'ai croisé plein de cyclistes aujourd'hui, ils avaient tous un grand sourire jusque derrière les oreilles. Voilà. Surtout ce soir dans les bouchons d'ailleurs. Et puis on termine avec ce véhicule de nettoyage. Moi je suis toujours ravi de voir un véhicule de nettoyage sur une piste. Bon, je te fais un petit bisou. Je te dis peut-être dans la semaine ou à la semaine prochaine, d'accord? Quand j'aurai le temps. Là c'est pas possible. Allez, bisous. Salut.